Cet exercice va avoir beaucoup de points communs avec le tout premier exercice de la série d'aujourd'hui. C'est très simple, je commence en Kibanashi, je pars vers l'arrière. Par contre, puisque je rajoute un Gyakutsuki lorsque je suis en Kukutsu, je vais donner un autre point de repère. Déjà, ce n'est plus la main qui est en Tsuki qui va servir de repère pour armer, mais le point qui est en Ikite. Je pars en arrière, je vais absorber la jambe opposée au point qui arme. 1. Là, je suis en Kokutsu. Je suis en Mahanmi. Je vais refermer le bassin pour diriger un Gyakutsuki vers l'avant. Attention de ne pas le faire partir par là. Dans cet exercice, on part vers l'avant. On engage. Bien relax ici. Je transfère comme l'exercice précédent. Je replace. Et avec le bassin, je frappe mon Gyakutsuki. Et puis, je reproduis l'événement de l'autre côté. Toutes les corrections de transition Kokutsuki-Badashi qui ont été expliquées dans l'exercice 1 sont valables pour cet exercice ici aussi. La seule chose dont on va se méfier, bien entendu, dans le travail, c'est de pouvoir produire, je vais mettre dans l'autre sens, voilà, 1, le Kokutsu à partir de l'équité, le Gyaku Tsuki un peu à l'instar des Yangodan, d'accord, et de revenir, transfert vers l'avant dans mon axe, tac, en Gyakutsuki. Cet exercice va nous renvoyer à l'exercice numéro 2 de la série d'exercices qui précédait. Donc bien entendu, il y a le rajout d'accord du Gyakutsuki qui nous demande de partir vers l'avant avec la main qui est à l'équité. Cette fois-ci là, je déplacerai la même jambe, celle qui accompagne là, d'accord. Sur place, je fais un Gyakutsuki et je ramène. Je replace mon corps dans l'axe. Il va présenter les mêmes difficultés que l'exercice 2, c'est-à-dire qu'il nous met, d'un point de vue du fonctionnement naturel du corps, dans un travail inversé. Pas impossible, mais inversé. C'est-à-dire que, puisque c'est l'inverse de ce qui serait naturel, c'est-à-dire qu'au lieu de partir du Kokutsu, je vais vers l'avant, boum, je reviens, bam, je replace. Non, je vais ici vers en avant, Kokutsu, retour, replacer, je vais devoir bien corriger la transition de mes positions pour être bien à l'aise. Donc, prenez votre temps et soyez bien vigilants. Il est évident que toutes les corrections qui ont précédé à l'exercice 2 sont valables pour cet exercice également. À l'instar de l'exercice 3, cet exercice-ci va employer le même système de couloir, c'est-à-dire que je vais travailler sur le pied pivot. Donc, je suis ici, c'est bien cette main-ci qui va armer, je pars en arrière, c'est la jambe opposée à la main en équité qui va derrière. 1, 2, 3. Je me retrouve avec cette main-ci devant, attention de ne pas partir en croisé comme dans l'exercice 3, mais de suivre la main qui est métalliquitée va à l'oreille, la jambe
de la main, suis devant, oula, ça glissait, dans le couloir. 2, 3, d'accord? Vous restez sur le même axe. Donc là, il faut prendre le temps de bien structurer cet enchaînement. Bien sûr, vous pouvez changer le côté. Changer le côté ne sera pas compliqué si, par exemple, vous faites vous-même l'erreur, sans faire exprès, hein, je pars en arrière, bam, boum, je mets la main et je vais rechercher avec ma main. Car, eh ben, je me retrouve spontanément de l'autre côté. D'accord? Et donc, il devient automatique que mon corps change. Donc, on peut éventuellement se donner ce repère-là pour changer aussi. Donc, vous l'aurez compris, qu'à partir de cet exercice-là, vous pouvez vous donner vous-même des petits jeux, des petites indications. Vous-même ou quelqu'un d'autre chez vous peut vous dire va devant, va derrière, et à vous de démarrer dans la bonne coordination. Hein, si je suis là, par exemple, et on va essayer de travailler en kimé. Ok, derrière. Ouais, devant. Derrière. Changer devant. Ok, et je reprends. Là, j'ai changé à la fin pour me retrouver de l'autre côté. Derrière. Et je travaille. D'accord, c'est un peu plus difficile, mais ça oblige, si vous voulez, c'est de la coordination, ça oblige le cerveau à réfléchir, à remettre dans la structure. Ok, et ça vous donne éventuellement un petit défi sur un exercice quand même assez ascétique, qui est le travail qui bat, Kokutsu, c'est assez ascétique. Mais c'est la base. Allez, je vous souhaite en tout cas un bon travail, bonne chance, bon courage dans cette période difficile, et je vous dis à la prochaine fois pour d'autres exercices. Os.